Coucou tout le monde, alors je vais vous faire une petite vidéo parce qu'il y a des messages de mes guides. Donc je vais vous les donner, voilà, puis on verra avec quelques cartes à côté si on peut en tirer quelques-unes et voir comment ils complètent ce message, d'accord? En tout cas, ils m'ont dit le moment est difficile à vivre. Ils vous manipulent, essaient de vous diviser encore entre vous. Ils essaient de vous faire peur pour que vous tombiez dans le piège. Ils veulent vous emmener, ils veulent emmener beaucoup de personnes dans l'erreur, d'accord? Mais en fait, c'est dans l'ombre, voilà. Surtout, soyez confiants, ils ne vont pas y arriver. Si vous vous unissez, c'est vous qui allez les faire tomber. Si vous êtes unis et si vous prenez soin de vous maintenant, ne croyez pas à ce qu'ils vous disent et surtout ne faites pas de. Donc là, ils m'ont dit vac, d'accord? Donc on va dire picouze. Surtout pas trois, ils ont dit. Arrêtez de croire que vous allez être privé si vous n'acceptez pas. Tout se passe ainsi pour vous éveiller. Les bonnes choses pour vous sont pas dans les grandes surfaces. Justement, comprenez, eux aussi ne sont pas avec vous. Il ne faut plus leur donner votre argent, réfléchissez. En fait, voilà, ils m'ont fait comprendre que si, et ça je vous l'ai dit déjà depuis plus d'un an, si on n'allait plus dans les supermarchés, si on reprenait notre vie en main, c'est-à-dire on va chez le fermier, chez les petits commerçants et tout ça, d'accord? Ils ne pourront pas nous imposer le passe-partout et en plus, ils n'auront plus de revenus, les gros, d'accord? Ceux qui nous manipulent, donc ils tomberont plus vite. Si vous ne leur donnez plus de ressources, les puissances sont inutiles et vous serez tranquille plus vite. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc j'ai demandé à mes guides, parce que vous étiez nombreux à me dire « Oui, mais si l'armée, nana, pourquoi nana ?» Donc j'ai demandé à mes guides, mais est-ce que c'est pas l'armée qui nous commande? Ils m'ont répondu oui. Donc là j'ai demandé pourquoi ils le disent pas, les gens ils vont pas se faire picouser. Alors on m'a répondu parce qu'il faut que tout le monde aide. Ils ont déjà beaucoup travaillé pour vous, maintenant pour finir ils ont besoin du peuple, mais pas de tout le monde. Ils veulent avancer et finir le nettoyage, mais avec les gens confiants et forts. Donc j'ai dit fort pour se battre, et là on m'a répondu non, fort dans sa tête, parce que tout ne sera pas beau. Avec des gens qui ont compris que la vie, c'est pas d'obéir à eux. Donc là on m'a répété à l'ombre, au noir, qu'il y a des solutions pour que tout se passe bien. Il faut faire des choix, il faut aussi laisser ce chaos se produire pour voir sur qui ils peuvent compter. Donc là, on parle de l'armée, d'accord? C'est là où vous verrez le bon et le mauvais. Vous devez rester centré et savoir ce que vous voulez vraiment. Là, on m'a dit, c'est vraiment le moment. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces décisions, cette allocution, parce que là, c'est vraiment le moment, d'accord? Vous allez devoir laisser des personnes derrière vous pour avancer dans cette nouvelle dimension. Donc là, j'ai demandé si les picousés allaient décéder, hein, voilà quoi. On m'a répondu certains, mais beaucoup plus ceux qui auront le 3. Donc ceux qui auront les 3, d'accord? Voilà. Et là, j'ai entendu, les méchants ont peur, reprenez votre vie en main, mangez bien avec la nature. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça que je vous parlais de fermier et tout ça, parce que moi, on m'a dit, si vous ne voulez pas que ça continue, eh ben, il faut que vous changez votre vie, d'accord? Votre façon de voir les choses. Il faut qu'on arrive à les faire tomber sans violence. C'est-à-dire les priver d'argent, comme eux veulent faire avec nous. D'accord? C'est pour ça que, eh bien, on vous donne cette allocution-là. C'est pour vous faire comprendre que
En fait, c'est vous qui devez agir comme ça, d'accord? Enfin, c'est nous, ok? Voilà. Moi, dans les grands supermarchés, vous savez, j'y vais pour. Donc, je me sens pas trop concernée par ça. Voilà. Donc, on va demander déjà à l'archange Michael, qu'est-ce qu'il peut compléter par rapport à ces messages de mes guides? L'archange Michael, s'il vous plaît. Voilà. Vous êtes constamment protégé. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. Vous voyez, je vous dis, il n'y aura pas de pénurie de ceci, de cela. Si, si, parce que par les grands magasins, d'accord? Mais sinon, vous êtes protégé, vous ne manquerez de rien. Vous voyez, c'est bien ce que j'ai eu dans mes messages. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude. Sachez qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Voilà. D'accord? Sécurité physique et matérielle. D'accord? Donc, on ne sera pas prêté de manger. Parce qu'il y a d'autres solutions que de donner notre argent à des gens qui ne contribuent même pas dans notre pays. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Vous voyez ça aussi, je l'ai eu dans le message. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. D'accord? Donc vous voyez bien. Il faut qu'on prenne un engagement. C'est maintenant qu'on m'a dit, d'accord? Et on m'a dit que la seule façon de les punir, c'était voilà, par rapport à l'argent. Donc, il ne faut plus leur en donner, d'accord? Il ne faut plus leur en donner. Alors, on va voir le message de notre âme. Hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. On va tirer quelques cartes hein, pour voir. Voilà, ça commence. Vibrer. Lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens-tu. Alors. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise. Traverser ton être et te porter. Voilà, d'accord? Donc, il faut reprendre vos vibrations. Surtout, il faut garder vos forces, d'accord? Et surtout, votre connexion avec le ciel, donc avec l'univers. Continuez d'allumer des bougies, continuez à leur demander de l'aide, d'accord? Mais vous voyez, il est l'heure de se lever, d'accord? Il est l'heure de reprendre notre vie en main. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne, d'accord? Donc on a beaucoup plus de capacités qu'on le pense, d'accord? Je vous dis, on peut les embêter aussi nous à notre façon. Voilà, donc il ne faut surtout pas se laisser faire. Mais vous voyez, vous devez continuer à être vous-même. Vous devez continuer à rester positif. D'accord? Voilà. Et puis, vous voyez, on peut se nourrir avec la nature. D'accord? Donc, je ne sais pas, moi, aller chez le fermier, aller à 3-4 voisins, vous achetez, voilà, en groupe, vous allez voir que vous n'allez pas payer plus cher qu'au supermarché. C'est pas vrai. Donc, il faut essayer de faire ça. D'ailleurs, j'ai oublié de vous baisser sur les cartes. Alors, non, les damiers, c'est pas satanique. Faut chercher la bonne définition. N'importe quoi. Alors, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous compléter le message qu'on est venu me donner? S'il vous plaît.
S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous compléter? Voilà. Alors, voilà, imagination, enfant intérieur, d'accord? Il faut qu'on trouve, qu'on réfléchisse, qu'on imagine une chose qui, voilà, qui pourrait nous aider dans ces moments. Alors, s'il vous plaît. Alors, on a le don psychique. Vous voyez, je vous dis, bien réfléchir, hein, d'accord? On a le pouvoir de. On peut imaginer quelque chose. Et regardez, voilà, on va pouvoir avancer, vous voyez? On va pouvoir être maître de la situation. Donc ça, il faut surtout pas l'oublier, voilà. Vous savez, ce qu'on nous oblige, nous aussi, on peut leur obliger, hein, d'accord? Et puis, quand on vous menace de perdre quelque chose, ben, eux aussi ils peuvent perdre. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut y aller. Moi, je vous dis, hein, de toute façon, c'est des gens, vous savez, hein, qui n'ont pas de charge dans ce pays. Donc, il ne faut plus les aider à travailler. Vous les aidez à s'enrichir et à payer des gens dans l'ombre. Donc, ça ne va pas. Voilà. Et on a les ennuis. Mais les ennuis, vous voyez, c'est le guide enseignant, hein, d'accord? Les ennuis, ils sont là pour nous aider à reprendre notre vie en main avec le leadership, hein, d'accord? Mais voilà, il faut qu'on s'unisse et puis il faut qu'on fasse travailler notre notre imagination, d'accord? Pour trouver une façon de les embêter, mais vous voyez, les guides me l'ont dit. Et ça fait plus d'un an hein, que je vous le dis. Vous pouvez regarder mes vidéos. Ça fait plus d'un an que je vous le dis. Alors, on va demander aux anges gardiens, s'il vous plaît. Quel message pouvez-vous nous donner pour compléter les petits de mes guides, s'il vous plaît. L'harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers, vous voyez, Polo. En tout cas, soyez positif, d'accord? Demandez l'aide de l'univers et surtout, n'ayez pas peur, amusez-vous. Alors, si vous n'avez plus le droit d'aller au théâtre, si vous n'avez plus le droit d'aller boire un coup au bistrot, si vous n'êtes, ben on s'en fout, invitez quelqu'un chez vous, voilà. Si vous n'avez plus le droit d'aller au théâtre ou en discothèque, bah écoutez, faites la fête chez vous. Hein, je sais pas. Créez des équipes, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Et puis, vous pouvez quand même, voilà, vous amuser. Alors. La compréhension. Vivez en harmonie avec vous-même et les autres. D'accord? Voilà. Quel message avez-vous à nous donner pour compléter? La gratitude. Sachez apprécier les dons de la vie. Moi, je vous dis que ce discours-là, hein, d'accord, il est pour nous aider. D'accord? Donc, dites merci parce que ça permet d'éveiller certaines personnes encore. Ok? Voilà. Et si vous vous êtes fait picouser, ben, c'est pas très très grave. Malheureusement, il n'y en a qu'avec une, ça va être de trop, voilà. Mais n'allez pas jusqu'à 3, ok? Voilà. Mais après, il y a plein de solutions, hein. Enfin, voilà, je veux dire. Alors, on va prendre notre jeu des guides pour voir s'ils ont quelque chose à compléter. Avez-vous un complément? Exprimez vos sentiments, d'accord? Donc, si vous avez envie, ben vous dites oui. Si vous n'avez pas envie, vous dites non, d'accord? Personne ne peut vous obliger. D'accord? Voilà. Alors, voilà pour cette petite vidéo. Je vais venir vous faire bah, le tirage de la semaine, la guidance de la semaine, votre guidance personnelle de la semaine, comme d'habitude, parce que on ne change pas une équipe qui gagne.